C'est la peur au ventre que les commerçants ont rouvert leur boutique à Ouagadougou. Près de 3 jours après l'attaque du café-restaurant Aziz Istanbul, la plus belle avenue de Ouagadougou retrouvait son animation mercredi. Lundi, au lendemain du drame, et mardi férié en raison du 15 août, l'avenue Kwame Nkrumah, principale artère de la capitale du Burkina Faso, était restée déserte. Nous avons eu une forte baisse de chiffre d'affaires. C'est plus très dur, plus très dur. Les gens ne venaient pas, tout le monde a eu peur et les gens ne venaient pas. Cette fois-ci, nous ne savons pas ce que ça va donner. C'est vraiment triste. Il y a le moral qui est cassé. Et jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui va se passer encore, on a toujours peur. On vient ouvrir parce qu'on doit ouvrir seulement, sinon on a toujours peur. La circulation devant l'Aziz Istanbul a été rétablie, les gendarmes n'interdisant l'accès qu'aux abords immédiats du café. C'est déjà sur l'avenue Nkrumah, à 300 mètres de là, qu'en janvier 2016, 3 djihadistes avaient massacré 30 personnes, dont de nombreux étrangers, en mitraillant des cafés et un hôtel. L'attaque avait été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. Vraiment, on est vraiment beaucoup découragés. Les attentats, nous ne savons pas ce que ça va donner. On est ouvert, vous voyez, il n'y a pas de clients. Ça fait que les gens ont fui depuis qu'on est ouvert, personne. Le Cappuccino, le bar-restaurant le plus touché en janvier 2016, n'a pas rouvert mercredi. Un ruban de tissu noir est accroché en travers de la double porte d'entrée en signe de deuil. You have now decided to move to the Supreme Court and lay before the world the making of. Nous avons décidé de saisir la cour et de montrer au monde la fabrication d'un pouvoir généré par ordinateur. The making of a computer-generated leadership. We will preach peace, and you have done so. Nous prêcherons la paix, comme nous l'avons toujours fait, et nous défendrons nos droits de se rassembler et de manifester. Nous organiserons des veillées, des minutes de silence. Nous battrons le tambour et ferons tout ce qui est possible pour attirer pacifiquement l'attention sur ces injustices électorales flagrantes. Les Kenyans n'ont pas besoin de recourir à la violence pour obtenir justice. À bord d'un puissant véhicule tout-terrain décapotable, Akinde Chilema a quitté dans la matinée de ce mercredi la prison de la capitale au terme de 4 mois d'une incarcération très controversée pour trahison qui a provoqué de vives tensions politiques dans tout le pays. Une victoire non seulement pour l'opposition, mais également pour ses centaines de partisans sortis l'acclamer. Je suis tellement excité. En fait, depuis 4 jours, je faisais grève de la faim. Comme vous pouvez le voir, j'ai perdu du poids. Donc aujourd'hui, je vais manger. J'ai même quelqu'un de mon village qui a tué mon taureau. J'ai sacrifié mon taureau. Akinde Chilema et ses 5 co-accusés ont été libérés de leur prison et les accusations de trahison ont été abandonnées. 2H est libre, a tweeté le Parti Uni pour le Développement National UPND sur son compte officiel. Arrêté en avril, le patron du Parti Uni pour le Développement National était incarcéré depuis pour avoir gêné le passage du convoi du président zambien Edgar Lungu, dont il conteste obstinément depuis 1 an la réélection. Je tiens à vous assurer que nous sommes plus forts maintenant qu'auparavant. Nous sommes 10 fois plus forts que lorsque nous avons été incarcérés. Mais notre force sera utilisée de manière correcte. La remise en liberté de Chilema met un terme à une saga politico-judiciaire qui a nourri de vives tensions dans le pays. Le climat politique en Zambie, un pays d'Afrique australe d'ordinaire calme, s'est profondément détérioré depuis l'élection présidentielle d'août 2016, marquée par de violents incidents. À l'époque, Edgar Lungu ne s'était pas retenu de déclarer qu'il n'hésiterait pas à sacrifier la démocratie pour préserver la paix. La courte victoire d'à peine 100 000 voix de Lungu devant Chilema n'a pas calmé les esprits et l'opposition refuse depuis de le reconnaître comme le président légitime.